Je suis ravie de vous retrouver dans ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Lion pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du Tarot des Anges et en finale, il y aura la synthèse avec le Tarot de Marseille des 4 cartes du Tarot des Anges. Et nous terminerons par une carte de la fleur de vie. Il y a longtemps que j'ai cet oracle et il y a longtemps que je ne m'en suis plus servie. Donc, nous aurons un message en fin de lecture de la fleur de vie. Alors, mes chers lions, l'équilibre pour la première semaine. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Nous avons le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. La lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et on termine avec le magicien. Alors le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Avec l'équilibre, eh bien, on vous invite de ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées et hâtives. Elle vous invite aussi à réévaluer votre situation actuelle et peut-être de changer d'approche. Il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière, voire les choses d'un angle différent. Elle vous invite aussi, cet arcane, d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Eh bien, si c'est le cas, faites-le, mais graduellement et de manière très méthodique et en douceur, ne précipitez rien, faites ça doucement. En tous les cas, cet arcane vous encourage aussi à prendre en compte le point de vue de votre entourage. Le point de vue, ça peut être l'entourage professionnel dans votre travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être vos amis. Donc voilà, écoutez ce que les autres disent. Avec le soleil, vous allez avoir une période bénie, une belle période. Il y a des choses qui dépasseront toutes vos attentes. Si vous avez un projet de lancer une entreprise, eh bien ça connaîtra du succès. Soyez positif, le soleil vous dit.
Ayez une attitude positive, vous attirerez à vous le positif. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi cette période, vous serez peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions. Ayez foi en vous-même. Et pour d'autres d'entre vous qui avez une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, ça sera, ça livrera ses dividendes. Peut-être qu'il va avoir des changements étonnants qui seront apportés à votre vie. Mais on vous demande quand même aussi de bien bien réfléchir. Hein. Avec la lune qui montre hein, que vous doutez, que vous avez peur. Alors, vos doutes et vos peurs que vous avez, qui sont en vous, et peut-être parfois fondées hein, sur des facteurs externes, et qui sont parfaitement visibles, mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Hein. Dans un cas comme dans l'autre, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez cette petite voix, c'est votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et le pourquoi, d'où ça vient, et fiez-vous à votre guidance. En plus, vous profitez avec cette carte d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée avec cette lune. Donc, ça sera la nouvelle lune le 3 juin. Alors, cet arcane, elle vient aussi vous dire que elle vous invite à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter tous ces blocages que vous avez en vous, ayant jusqu'ici freiné votre progression. Vous êtes bloqué par tellement de choses et vous n'avancez pas. C'est le moment vraiment d'exhiber et de sortir toutes les vérités vous concernant. Vous avez gardé trop longtemps tout ça en vous et il est bon que ça sorte. Mais on ne vous demande pas que ça sorte tapé sur la table, hein, avec diplomatie. Dites vos vérités avec diplomatie. Parce que ce sont des choses qui vous pèsent. Et on termine avec notre beau magicien. Alors, vous avez peut-être, hein, peut-être que vous avez des nouveaux projets dans votre tête. Mais encore une fois, voilà, il y a tous des freins, ça vous freine, il y a des freins. Et vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser, de réaliser en fait tout simplement eh bien, vos rêves. Hein. Retirez ça de votre tête, retirez ces doutes que vous avez. Ayez confiance en vous. Plus vous aurez confiance, et plus vous connaîtrez le succès.
et vous attirerez ce que vous dégagez. Mais peut-être aussi que vous vous dites que vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous engager sur cette voie-là que vous avez choisie. Et pourtant, avec le magicien, vous savez, le magicien, il fait des choses, des miracles, eh bien, il vous dit que vous êtes beaucoup plus prêt que vous n'osez le croire. Toutes vos expériences de vie, eh bien, elles vous ont préparé à ce moment qui est charnière. Alors ne soyez pas timide et menez des actions concertées. Et se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis si longtemps. Si longtemps vous vous êtes préparé à tout ça. Mes chers lions, voilà pour le taroscope angélique pour ce mois de juin. Et nous arrivons à la synthèse 14 plus 19 plus 18 plus 1, ce qui nous fait 52, que nous réduisons, 5 plus 2 égale 7, et nous avons le chariot. Et le chariot, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh bien, allez, on y va! On est joyeux, on est actif, on est dynamique, et on est combatif. Cet arcane, elle vient vous dire, allez, arrêtez d'hésiter. Il est temps que vous avanciez. Alors rassemblez votre détermination et votre énergie et définissez clairement vos objectifs et surtout, eh bien, surtout, prenez votre chariot et lancez-vous. Faites-vous confiance et vous mettrez toutes les chances de votre côté. Et le chariot, il ne faut pas attendre, hein. Faut pas attendre. Faut pas attendre que les autres vous guident, parce que vous êtes acteur de votre vie. Ce ne sont pas les autres qui doivent vous guider. C'est vous-même qui devez vous guider. Vous n'êtes pas figurant de votre vie. Alors soyez autonome et vos initiatives porteront leurs fruits. Eh bien voilà. Pour vous les lions, on en vient à la fleur de vie, magnifique l'oracle. Voilà, si vous voulez développer une qualité qui est de votre vie, qui est dans votre vie, ça peut être l'amour, hein, ça peut être le courage, ça peut être... le pardon, ça peut être la créativité. Voilà, et nous allons voir ce que la fleur de vie est venue vous dire pour ce mois. Très bel oracle. Je vais prendre la première. Voilà. Je prends la première. Famille. Encore... des tons magnifiques pastels, vert pastel. C'est très beau comme couleur, je trouve. Alors la famille. Voyez, vous avez toutes les personnes qui se donnent la main. C'est quand même important, la famille. J'espère que vous la voyez bien sans le reflet. De très jolies couleurs pastel. Et ces mains, enfin voilà, toutes ces mains qui se donnent la main, c'est un pour tous, tous pour un. Ça dégage un amour inconditionnel. Je vous lis. Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit
tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. La fleur de vie renforce tous les liens avec votre famille terrestre, mais aussi avec votre famille spirituelle. Elle est peut-être justement, il est peut-être justement temps d'organiser une fête de famille. Vous pouvez inviter votre famille terrestre, mais vous avez aussi la capacité d'entrer en relation plus étroite avec votre famille spirituelle. Les anges, les archanges, les grands maîtres ascensionnés, ainsi que les êtres de la nature qui appartiennent tous à votre famille spirituelle. Ils se réjouissent de votre invitation. Célébrez une fête de la rencontre. Invitez tous vos amis à venir vous voir. Alors, riez, chantez, dansez, méditez ensemble, pourquoi pas. Ressentez émerger en vous les relations affectueuses des royaumes invisibles venant des âmes qui vous sont apparentées. La fleur de la vie, de la famille, te procure également des espaces paisibles pour que tu puisses célébrer une fête. Pour que vous puissiez fêter cette fête familiale avec votre famille terrestre, vous n'êtes pas obligé de les rencontrer tous personnellement, hein. Vous pouvez au contraire également consacrer ne fût-ce qu'une journée à votre famille en réactivant un contact plus approfondi avec ceux que vous chérissez uniquement à travers des méditations, tout simplement. Alors, le défi. Cette carte famille, il est peut-être maintenant important pour toi d'observer ta famille terrestre sous un autre angle. Essaye d'identifier la personne à laquelle tu es peut-être encore relié par une thématique qui a besoin d'être débloquée. Eh bien, la fleur de vie te vient maintenant en aide pour vraiment épurer un conflit, pour opérer une réconciliation à l'intérieur de ta famille. Il est peut-être grand temps que vous mettiez votre ego et votre orgueil de côté. Si vous avez un conflit avec une personne dans l'intérieur de votre famille, faites le premier pas. Débloquez cette situation. Vous vous sentirez tellement mieux. Vous vous sentirez tellement bien d'avoir débloqué cette situation. Voilà le message de la famille pour vous. Très beau message, vraiment magnifique. Magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Eh bien, voilà ce qui se dégage hein, pour vous pour ce mois de juin. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je remercie tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochains
vidéos que je mets en ligne. Likez, ça me fait plaisir de voir tous ces pouces en l'air et pas en bas. Si vous avez aimé, vous pouvez partager cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires. Je me répète, hein, je radote. Hein. J'adore le dialogue. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de juin 2019 dans l'amour, la bienveillance, la tolérance, le respect. Et puis, bien, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt !